Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le troisième épisode de la modélisation en 3D d'une rampe d'accès au niveau 2 du réseau. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous invite à le faire en suivant les liens en haut d'écran ou dans la description de la vidéo. Dans cet épisode, nous allons modéliser une nouvelle partie de la rampe. Celle-ci va avoir la particularité d'avoir ses murs en briques, puisque contrairement aux pièces précédentes, la rampe sera suffisamment haute à cet endroit pour que les murs ne soient pas entièrement noyés dans le relief du sol. Comme on peut le voir à l'écran, cette pièce ne va pas accueillir de poteaux de caténaire, puisque l'espace entre ceux-ci sera de 25 cm, et qu'ici l'espace entre deux niches est la moitié, soit 12,5 cm. Voici la pièce en question, tout juste sortie de l'imprimante. On voit que les briques sont visibles des deux côtés, ainsi qu'à l'intérieur des parapets. Et donc la vidéo d'aujourd'hui va surtout insister sur la façon dont je m'y suis pris pour modéliser les briques, et je passerai rapidement sur les aspects qui ont déjà été vus lors de l'épisode précédent. Nous voici à nouveau dans Fusion 360, là où nous en étions restés la fois dernière. Je vais donc commencer par créer la pièce numéro 4 de la rampe en utilisant la même façon de procéder. Alors, ici, je fais apparaître le composant précédent de façon à mesurer la distance souhaitée entre les niches de la rampe. L'idée est de mesurer 125 mm entre les centres des niches. Ce que j'appelle centre ici, c'est la position des poteaux de caténaire, même s'il n'y en a pas sur la nouvelle niche. Nous nous retrouvons ici avec une pièce similaire à ce que nous avions réalisé précédemment. Nous allons maintenant dessiner les briques sur les murs. Pour cela, je commence par dupliquer le corps correspondant à la pièce. Je masque le corps d'origine et nous allons modifier la copie. On sélectionne les faces extérieures. L'intérieur du parapet, le dessus du parapet. Et on fait de même de l'autre côté. Maintenant, à l'aide de la fonction décaler la face,
Nous allons légèrement réduire le volume de ce corps de 0,30 mm, ce qui va correspondre à la profondeur des joints entre les briques. Voilà, on voit ici la différence entre les deux corps. Pour dessiner les briques, nous allons créer un plan qui va passer par les deux extrémités verticales de la rampe. Notez que je le fais sur le côté extérieur de la courbe de la rampe. Et ensuite, je crée un plan de décalage qui va se retrouver complètement à l'extérieur du volume. Et sur ce nouveau plan, je crée une esquisse. Je vais l'appeler brique. Je commence par projeter sur l'esquisse les éléments dont j'ai besoin. Et je commence à dessiner les briques. Je le fais toujours de la même façon. J'ai déjà réalisé pas mal de vidéos où je dessine des briques. Celles-ci sont volontairement d'une taille exagérée pour l'échelle, afin que la matière reste perceptible à l'œil nu dans cette petite échelle qu'est le 1/160e. Maintenant, nous allons dessiner le motif des briques sur le côté des niches. Pour cela, on crée une nouvelle esquisse. On y projette ce dont on a besoin. Et on commence à dessiner. Alors comme toujours, je parle de dessiner des briques, mais en réalité, ce sont les joints qui sont dessinés car c'est eux qui seront extrudés. Je renomme l'esquisse. Et on peut maintenant procéder à l'extrusion des joints. Je commence par les côtés de la rampe.
Alors, comme vous le voyez, j'y vais gaiement puisque je traverse carrément tout le corps. Et maintenant, nous allons dupliquer le motif en utilisant la fonction réseau rectangulaire. On sélectionne fonction dans le champ type d'objet et ensuite dans objet, on sélectionne l'extrusion réalisée précédemment. Dans répartition, on sélectionne espacement et on met les bonnes valeurs de distance. Très important, dans le champ type de calcul, je sélectionne identique. Et puis, on définit l'étendue du réseau afin qu'il couvre l'ensemble de la pièce. Et hop, on valide. On voit qu'il met un peu de temps à effectuer les calculs. Alors, ici, on constate que le réseau rectangulaire a explosé la pièce en une multitude de petites pièces, ce qui n'est bien sûr pas surprenant vu ce que nous avons fait. À ce stade, je vais effectuer une copie supplémentaire de la pièce que nous avons créée tout à l'heure, celle qui concerne le corps entier mais sur lequel nous avons reculé les faces de 0,3 mm. J'en fais une copie car nous aurons ensuite à nouveau besoin de ce corps. La copie est ici et elle est bien visible. Maintenant, je vais sélectionner tous les corps visibles. Je prends soin de ne pas sélectionner la première version du corps à face décalée. Et j'utilise la fonction combiner pour fusionner tous ces corps. Ça calcule. On voit qu'il y a quelques corps qui n'ont pas été fusionnés avec la pièce principale. Regardons cela de plus près. On voit en effet de petits corps qui flottent au-dessus du corps principal. On va tout simplement les laisser de côté et les masquer. On va procéder à quelques ajustements. On voit ici un espace que nous allons combler avec la fonction décaler la face. Voilà qui est fait.
Ici, on voit le mur qui a été découpé par notre extrusion et ce n'est pas très beau. On va combler cet espace. On utilise à nouveau la fonction décaler la face. Ça semble pas mal, je valide. Il nous reste pour finir à extruder les joints sur le côté des niches. Je sélectionne les joints. Et j'extrude. Là encore, je traverse l'ensemble de la pièce, mais il faut veiller à ne pas venir endommager les briques du côté. Je valide. Et maintenant, toujours la même démarche, on va dupliquer le motif avec un réseau rectangulaire. Ça semble bien, à part bien sûr le fait que la pièce est traversée de part en part. Comme tout à l'heure, nous allons fusionner cette pièce avec la pièce d'origine aux faces décalées. Cela va boucher les trous. Et nous voici avec notre pièce numéro 4 qui est maintenant terminée et prête à être imprimée. Cette vidéo est maintenant terminée et je vous remercie de l'avoir suivie. Dans le prochain épisode, nous poursuivrons la construction de la rampe avec la modélisation d'un pont ferroviaire. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur les rails.